J'étais obligé de manger, mais... What the fuck? Oh my god, la texture. Attends, mais ils ont essayé de faire quoi là? Mon dieu. Ok, du coup, on se retrouve pour la suite de l'acte 3. Ouah, ça charge, ça charge. On se retrouve pour la suite de l'acte 3. C'est l'épisode, je pense, 10. Où je m'y perds, je m'y perds. On va y aller. Par là, qui déjà? Enfin, je vous attendais. You saved my life for the second time, so I owe you one, yeah. Your friend wasn't lying. I do know the way to the prison. It's fucking dangerous, so I don't like to go. But if you want, I take you there. Before we go, though, we gotta stop in town and get some necessary things. Oh, dangereux, chapitre 15. Réparer mes armes d'abord. Il va provenant du ciel de récupérer un téléphone satellite auprès de Sergueï au restaurant de Nikolai. Ah oui, c'était ce qu'on avait vu à la fin. Parler à Moen. Listen, friends. There are two things that need to be taken care of before we head out. First thing is gas for the boat. We won't get there on fumes. The second thing is something special for Titus, so he lets us through. Otherwise, we can forget about ever getting inside. So what's it gonna be? Avorter les carburants, bye bye. Yes. Okay then, you'll find a fuel at the gas station. If you can find a car while you're there, you'll get back a lot quicker. I keep the stash for Titus in a red container by the seaside hangars. Here's the key to the storage unit. I'm staying here. I'll watch the boat. Good luck. Yeah. Retour dans la ville. Ville qui est bien. D'ailleurs, il faut que je te mette à jour. Sinon, je te. Ah oui! Un PV, super. Paquet Mewen. Ah, crochetage niveau 3, dommage. Alcool. Ok. Zombie qu'autre chose. Alright, brothers. We are almost there. One last thing. The water's getting choppy as hell. We get tossed around too much. We may hit one of those mines. And that's the end of the story, right? So we need to go to the workshop at the beach and make a few modifications. My father used to work on boats, so we just need to go to his workshop, all right? We can take the boat right up to the workshop. I'll show you where they are. There we go. That should do it. Okay. Débarrasse un peu des trucs qui me servent. C'est pas grave. Ah ouais, on est venu carrément ici. Ouais. Salut les copains. Oh, il monte. Ils peuvent monter? Vraiment?
C'est bon. J'entre par où, moi? On va par là. C'est pas par là? Comment ça? I don't know if anyone can hear me, but if you can, I'm all alone in a bunker on the Cape. Please. Ah, mais c'est là. Putain, c'était juste ça. Moi, je me suis... J'ai pris la tête. Les cris sont bien faits, tu vois. Ils te font bien flipper, en fait. T'as pas envie de te faire poursuivre par les bourgs. Let's go, we're wasting time. Par là, Jean. There's something else I need to do, alright? But I need to do it alone. So just... Just wait here. Ok, vas-y, fais-toi plaisir, ma grande. Oh non, elle a pas fait ça. Elle a enfermé son daron. Elle a enfermé le daron. Complètement folle celle-là. Sûr à 200%, c'est ça. Y'a pas de doute. Je pense qu'elle l'a attaché. Enfin, si elle l'a pas attaché, elle a fait une erreur déjà. Wesh, il a les yeux rouges. Il a la rage, son daron. Merde. Merde. Même vêtement depuis je sais pas combien d'années. Ok. All right, let's get the fuck off this island. Ok, ok, on y va, on y va. Let's get the fuck off this. On va où maintenant? Hi, can you hear me? I heard screams in the lab. Something bad's happening. You gotta drop what you're doing and find out what's going on. God damn it, go, go. Ok, ok. Des cris dans le labo. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Une infection? À mon avis, ils sont tous morts. Now you die. Allez, brûlez. Ouais, on se en souffrance là, c'est moi tranquille, frère. He took my blood once, then again and again. He wanted to bleed me dry, and when I asked him why, he was surprised. The savage can talk. Oh, merde. But I ran away from my village to go to the city, to go to school, so I know a person can only lose so much blood. I locked myself in the cage to get away from him, and when he tried to open it, using that computer, he opened them all. And those things jumped on him and tore him apart. I screamed, but no one came. Westy's dead? How can that be? He almost had the bloody vaccine. He said he knew everything, ouais, that he knew how to make it. Something. Wait. What if he did? Maybe he did make it. Do you hear me? Search the bloody lab. It's gotta be there somewhere. The vaccine. Find it. Otherwise, my Emily isn't gonna make it. Prenez l'antidote. Pas dedans? Voilà, j'étais sûr.
Avertissement, vous voulez quitter l'île. Une fois dans la prison, vous ne pourrez pas revenir. Assurez-vous d'être prêt avant de continuer. Si vous êtes dans la prison, vous ne pourrez plus retourner sur vos pas. Assurez-vous d'être prêt à quitter l'île avant de continuer. Attends, mais si je quitte l'île, je peux plus faire les quêtes secondaires. C'est ça? Attends, ça veut dire que je pourrais plus refaire aucune mission là? Alors, allez, si ils te mettent ça, c'est que c'est. Ouais, c'est ça, à mon avis. Hein. Ah, mais là, faut que je fasse les quêtes secondaires, sinon ça sert à rien, non? Gunfight, gunfight. I did some damage. Il y a forcément un truc dedans. Hein. Wesh, Denzel. Putain, ça fait déjà un mois. Putain. C'est un truc de ouf, wesh, comment ça a passé? J'ai l'impression que c'était hier. Putain. Un mois déjà? Putain, je me rappelle, hein, j'étais sur Beyond Two Souls en plus. Dis quoi la croûte GTRP là? Oh quoi? Oh ça rafale non? C'est BG pour le. Oh, t'as filé toi ou pas du coup? Depuis le temps là? Oh merde! Voilà. Mais qu'une fois être dans le jeu, il est vraiment bizarre. Et ouais, c'est passé. Ouais, mais c'est une dinguerie, frère. C'est fou, là. Oh mon dieu. Ça passe archi. Y'a un spawn ou quoi ici, là? Il y a plein de Denzel là. Et Denzel il est là, c'est lui. Il manque les locks, c'est lui frère. Putain con. Bon c'est tout ce qu'il y a dans cette zone de merde là. Ok bon. Hello, c'est le facteur. J'arrête de looter, ça sert à rien que je loot en fait. Blood. Blood everywhere. Bloody long lost big kick! Stalking into everything. Mais comment ça, frérot? Non, mais attends, mais. Attends, mais on va où là? Attends, mais je me suis. Mais attends. So much blood. Peste un mère, ton fils de.
Comment ça, mec, tu m'attaques parce que je prends un putain de nounours? Pétez un plomb, toi. Putain, connasse. Il m'en va de ce mec. Putain. J'hésitais en fait à le faire. Je me disais, vas-y, ça va être un jeu de merde. En fait, vraiment, il est vraiment cool, tu vois. Wesh, c'est quoi ça? Et wesh! Il se passe quoi? Après, je suis infecté? J'ai rien compris au ce qui s'est passé. Hein. Je sais pas. Ça me course depuis tout à l'heure, j'en peux plus, frère. J'ai peur, j'ai peur. En plus, c'est un peu mal spatialisé. Bon, après, le jeu, il est de 2000. Putain, il est 2011, je crois, celui-là. Ouais, 11. Et de décembre, je crois, 2011. Non, septembre. Mais ils me font flipper, putain, ils me font flipper. Ils gueulent comme ça partout, là. Comment ça, rue? T'arrives quoi, toi? Embrouille. C'est ouf, lui. Mec, quand j'ai découvert que Dane Lake c'était Dead Island, le même développeur, j'ai fait ah ok. Ok. Bah, je suis con en fait. On va prendre une vago, hein, je te le dis. Hein. Alors, putain, à chaque fois je monte à gauche, j'en ai marre. Trop relou, trop relou. Trop relou d'être français. Je l'avais commencé à l'époque, mais jamais fini. Sérieux, putain, t'es qu'une merde. Ah, Taro, tu l'as fini, j'ai une question. Tu l'as fini, on est d'accord. Hein. J'ai une question là. Trouver quoi? Putain, voilà, je suis en train de lire. Qu'est-ce que tu me baragouilles? Qu'est-ce que tu me baragouilles? Narvalo. Hein. Bien sûr, bah tu vois en fait, j'étais au labo. Pour. J'ai délivré, tu sais. Comment ça s'appelle la, comment on appelle ça déjà, l'indigène. Et il m'a dit, tu sais, j'ai pris l'antidote. Et il m'a dit, êtes-vous sûr de vouloir quitter cette île? Je pourrais jamais revenir. Est-ce que ça veut dire que je peux plus faire les quêtes secondaires, c'est ça? Quand je quitte le truc là pour aller vers la prison, je peux plus jamais revenir faire les quêtes secondaires, c'est ça? On est d'accord, hein. Moi j'ai compris ça. Parce qu'ils m'ont jamais mis. Oh, bien ça. Je sais pas si j'ai bien compris le truc, parce qu'ils ont jamais mis ce message là. Yes, c'est mort. Oh putain, du coup faut que je fasse toutes les quêtes secondaires là. Ok, donc j'ai bien fait, ouais. Ok. Faut refaire l'histoire en gros et clean toutes les zones. Oh, relou, trop relou. J'ai pas le sou... Oh, mamacite ça. Mamacite. Ça me tue, mais elles ont tous la même gueule. Where have you been? Vas-y, ta gueule, c'est moi. Chic son nounours, celle-là. My muscles are starting. Putain, mais arrête, mec. Bon. Il me reste tout ça, là? On est d'accord qu'il me met toutes les quêtes de toutes les maps, hein, de la jungle et tout, hein. Ça, c'est de la jungle, je crois. On peut pas. Ah oui, je suis trop con, mais il y a marqué en haut, espèce d'abruti, putain. Je suis vraiment trop con. Mike, vous fabriquera ce cocktail. C'est quoi, c'est une. Quête secondaire, mais pourquoi? Mike, vous fabriquera des cocktails Molotov à chaque fois que vous lui apportez. Mais attends, mais c'est complètement con ça. Attends, mais c'est quoi cette quête de merde là? Complètement débile la quête. J'en ai déjà crafté auprès de lui. Et là, tu l'as fait. Je l'avais commencé. Mais du coup, je vais le refaire grâce à ce jeu-là. Là. En fait, je l'avais commencé, mais à l'époque, en vrai, j'aimais pas trop les jeux de Zomblard, tu vois. De nuit et tout, ils faisaient trop flipper, genre. Mais je l'ai fait, genre, à sa sortie, pratiquement, je crois. À la sortie, même. Vas-y. Voilà, quoi. J'aimais pas trop, quoi. Non, mais Dane, là, je sais qu'il fait plus flipper, ça, c'est sûr. Parce que tu peux te balader de nuit et tout. Il y a une ambiance vraiment. J'aimerais bien le faire. Je le ferai, je ferai sûrement le 1 et le 2. Le 2 aussi, il est banger à ce qui paraît, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, je compte le faire. En plus, je crois que je l'ai sur... I don't
Oh non. Du coup, je crois que j'ai le 1 et le 2 sur la console. Je les avais achetés justement. Je comptais les faire. Mais à mon avis, je serais pas déçu. Vu que là, j'ai kiffé des 1. À mon avis, Day and Light, c'est carrément au-dessus. Hein, je pense. Mais je sais pas si le 2 il est bien. Le Day and Light. Parce que Dead Rising, on m'a dit c'est de la merde. Dead Island 2. En gros, il y a des quêtes qui ne se terminent pas. C'est juste pour créer des trucs. Ah, bah ouais, celle-là, c'est ok, ok, ouais. Après, le jeu, il est 2011, hein, honnêtement. Honnêtement, le jeu 2011, moi, je le trouve archi beau. Bon, il y a du JPEG, c'est normal. Le ciel, c'est un JPEG et tout. Mais en vrai, il y a un peu trop de particules, par contre. Mais il y a une ambiance, tu vois. Moi, je le trouve pas dégueu, tu vois, vraiment. Puis j'ai un PC de merde et j'arrive à le faire tourner, putain. Incroyable. Ouais, Mike, je... Bah oui, mais du coup... je les ai déjà fait. Ah, tu vois, c'est... ça sert à rien. Vas-y, ta gueule, toi. Saoulé. Celle-là, à mon avis, elle doit être buggée. Ou... Apporter deux boîtes de conserve. Eh, mais lui, ni, faut soulever, frère. Non, mais j'en peux plus, gros. J'en ai rapporté combien, gros? C'est... Oh là là, mais frérot, mange pour 10 personnes le bourre. Dead Island est meilleur que Day and Light? T'es sérieux toi? Complètement défoncé votre pote là. Enfin, tu peux me le dire si t'as picolé, y'a pas de soucis. Avec. Attends, mais gros, est-ce que je vais avoir des meilleures armes ou pas? Parce que là, j'avoue que mes. Quoi? Mais ça, on m'a pu la merde, là. Je n'ai pas retrouvé d'autres. Parce que celle-là, elle est banger, mais... je fais presque plus de dégâts. Ils sont archi forts, maintenant, les zombies. Et attends, elle est quoi? C'est quoi, les stats? C'est ça, ma meilleure arme. C'est mon avis, en tout cas, après avoir fait les deux. Mais t'as fait Day and Night 2, du coup, avec les DLC et tout. Ouais, mais après... C'est quoi que je trouve mieux? Parce que tu peux pas me dire qu'en termes de graphisme, ils ont régressé, tu vois, et en termes d'histoire. Je pense pas, non? À moi, ils sont améliorés. T'as plus d'histoire, t'as plus de contenu et tout. Après, ouais, je sais pas. Il peut pas être pire, quoi, en tout cas, ça c'est sûr. Il peut pas être pire, à mon avis. Il est pas dégueu, le jeu, hein, mais c'est juste qu'après, forcément, avec les années, il s'améliore. Trouvez-le pour Kim, mais Kim... Mais ça, juste procurez-vous une bouteille de champagne, mais... J'ai pas de champagne, je n'ai pas trouvé de champagne. Fait chier, là. Non, Day and Night 1 est au-dessus. Voilà, voilà. Dis-lui. Je trouve l'histoire et le gameplay moins intéressant, ok. Ok. Après, oui, c'est comme t'as dit, c'est ton avis. Moi, je me ferai un avis. Ouais, je sais pas. Ouais, faut que je termine. Mais en fait, le problème, c'est que Dead Island, il y en a beaucoup. T'as vu? Il y a le 1. Il y a le Raptite, je sais pas quoi là. Celui-là, je l'ai. Je m'étais trompé au début, j'avais pris celui-là. Et il y en a un milliard, je crois, de DLC. Donc, je sais pas. Laissez-moi avoir mon avis perso de B. Non, moi je t'inquiète. Moi j'ai le 1, enfin Dead Island 1 est bien, tu vois. Mais je pense déjà, je pense savoir que le 2 sera banger, tu vois. Enfin, le 2, putain, je me perds. Le Day and Light 1 sera au-dessus de celui-là, je pense, c'est sûr. Parce que c'est pratiquement le même, les mêmes mécaniques. La gueule. Mais ouais. Et je sais pas, ils ont fait quoi d'autre comme jeu, du coup, ce studio là, à part Dead Island et Day and Light. Ils font que des jeux de zombies, on dirait, non? Je connais pas trop tous les studios et tout. Ton avis désastreux, non? Le cul du mec. Ton avis
qui c'était ton ami désastreux, il a dit. Oh les baisers, putain. Le mec, il veut même pas laisser avoir un avis, c'est ouf. Aïe aïe aïe. Faut tout pour faire un monde, je te le dis. T'as fait des Disneyland en Dutchie. Oh là là, les soucis. Les problèmes. Putain, mais je vais où là, mon fait? C'est à la plage, non? Where the hell? Les problèmes. Putain, on peut pas acheter plusieurs, ça c'est dommage ça. Attends, ça se trouve, on peut si je fais espace, non? Entrée? Ah, oh, mais je peux juste faire entrer, pas besoin de cliquer, putain. Moi je faisais clic gauche. Non, mais avec le peu que j'ai fait, je peux. Ouais, avoir un objectif. Ouais. Après, c'est les avis, honnêtement. Oh! T'es malafide, Call of Duty! Oh mon gars! Incroyable. J'ai combien de kits du coup? Après, Otaru, c'est un mec à l'ancienne, hein. C'est un mec qui joue à Rome Station. Oh merde. Moi, j'ai pas mal de kits, de toute façon, ça suffit. Ouais, bof, bof. La baston, la baston. Ah, mais attends, mais. Toi, t'avais dit quoi? C'est quoi que t'aimais pas voir? L'histoire et le gameplay? Ouais, l'histoire. On est d'accord que graphiquement, Dying Light est au-dessus que Dead Island. Tu peux pas régresser, Otaru, on est d'accord. Pas me faire. Pas me dire le contraire, quand même. Là, on va s'embrouiller. Si tu me dis qu'ils ont fait pire que ça. J'ai pas de croire. C'est un campeur, lui. Je le répète. Même toi, tu joues. Ouais, bah, je joue à cause de toi. Ah, ouais, Home Station banger. Home Station, c'est pour jouer à des jeux rétro. Entre guillemets, rétro. Qui sont plus sur le Play Store ou le. Non, pas le Play Store, qu'est-ce que je raconte? Le PlayStation Store ou le. Ou Nintendo Shop ou les trucs comme ça. Ça s'appelle Home Station et. Y a plein de jeux, quoi. Si vous aimez bien les Mario et tout, bah, vas-y. Hein. C'est vrai que bientôt il faudra que je fasse les Mario. En même temps, c'est pas les mêmes années, donc heureusement. Ouais, c'est quelle année Day and Light 1 hein? C'est 2016 15 non, 2000. Je pense que c'est 2016-2015, non? I need champagne. Mais quand est-ce que j'ai ramassé du champagne? Champagne, champagne. Ta gueule. Ouh, c'est bon. Maintenant, je lui. Tu vois pas que je lui donnais un million. Grognasse. Mais quoi, vas-y. Oh, ils me font chier à faire des allers-retours. 2015, ah ouais, putain. Okay. Ah, 4 ans après, quand même, hein. C'est pas beaucoup. Hein. Retrouver que 4 ans après. Bon, je pense un peu plus de 4 ans, pratiquement 5 je pense. Mais ouais, c'est pas. Il n'y a pas une grosse différence que ça quoi. Ok. Ouais, donc je peux peut-être un peu comprendre ton avis sur certaines choses. 5 ans c'est peu. Bon, 5 ans tu peux faire beaucoup de choses, mais si c'est des développeurs qui se branlent. Est-ce que entre le 1. Dying Light 1 et Dying Light 2, est-ce que le gameplay t'a plu? Genre, est-ce que t'as préféré le 2 au 1? Ou t'as pas du tout aimé, genre, la licence? Parce que le 2, je l'ai, déjà le 2, je l'ai pas fait. Je vois pas, il ressemble à quoi? Mais je crois que j'ai regardé un peu des streamers le faire au début, là. Mais j'ai pas de souvenir. Je vois pas, il ressemble à quoi? C'est pas mes spoils en plus. Ouais, mais entre 2010 et 2020, la technologie. Ah oui, carrément, je suis d'accord avec toi. Hein. Ça a beaucoup évolué, ouais. Bah disons qu'en plus aujourd'hui on laisse plus trop le marge d'erreur au studio hein. Comme Starfield c'était là, ça va être un truc banger, tu nanani nanana, genre la Star Citizen, mais il s'est fait éclater, tu vois. Trop pourri, le jeu était trop pourri.
Maintenant, tu peux plus vendre. C'est comme The Day Before. The Day Before, grosse arnaque. Là, maintenant, les gens ont compris. Ah, ça y est, maintenant, tous les studios, là. Ah, mon gars, maintenant, les gens, ils vont faire attention. En plus, les streamers, ils ont prévenu les gens de faire gaffe. Juste, ça va être une arnaque et tout. Putain, mais sortez vous, hein. Mais ouais, c'est... On a plus... Ils ont plus le droit à faire des heures maintenant. Donc en vrai, 4 ans, il y avait pas mal... Il y avait pas les mêmes moyens. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, en vrai. Je suis d'accord, ouais. Putain, mais ils te mettent des tatanes, frérot, c'est... Ils sont super résistants, ces bâtards. Je dois faire quoi déjà? Ah oui, ça va chercher Anne. Trop de zombies, c'est pas possible. Et ta meuf, hein. Can you find Jenny? My muscles are still... Oh, mais non, mais sérieux, mais ça c'est juste pour allonger la durée du jeu. Putain, j'en peux plus, frère, je vais te faire 500 mètres pour R là. Il faut chier, ils peuvent pas se téléphoner, c'est con. Tu vois, ça c'est le genre de missions qui sont nulles un peu, tu vois. Elle avait quoi dans la main, gros? Ma one shot? Moi, vas-y, faut que je décale mon stream. Merci, mon ref. J'avais envie de stream un peu, j'avais envie de jouer, j'avais pas joué depuis. Merci, BG. Là, je suis en vacances, là. Je suis là, on est là. Merci, mon ref, d'être passé. C'est ciao. Vas-y, bonne fin de soirée, de journée à toi, et bon début de soirée. Et que du malheur, que des mauvaises choses. Et ciao, bye, CMR. C'était Squeezie. Ciao. Oh, tu me fais chier, toi. Toujours les mêmes, avec les femmes qui font chier. Il va me rester quoi, là, comme quête? Je crois que c'est la dernière. Hein. Pompe. Ah, je crois qu'elle avait un pompe dans le dos, cette connasse. Bon, moi, je vais faire, de toute façon, je vais faire la quête principale. Enfin, secondaire, il n'y a rien d'intéressant, en vrai. Je vais rembourser mon Seb. Putain, le bâtard, non mais les mecs, quoi. Je savais que t'étais... Ça me fait rappeler Left 4 Dead, la scène, là. Je savais que t'étais raciste, de toute façon. C'est pas grave. C'est pas grave. Putain, il me terrifie son cri, lui, à chaque fois, c'est terrible. Putain, mais il crie de loin, genre c'est horrible. Oh, Dana, je me chie dessus. Hein. Maybe there's something in here. C'est pour l'autre con là qui a toujours faim et soif là. Qui va H24 de l'eau là, des concerts là. Il me fait chier depuis je sais pas combien de temps ce bâtard. Tout le temps, tu lui donnes 4 milliards de conserves et il en veut encore. Salut, mec. Oh, je me prends même plus. Là, quand il crie comme ça, t'as l'impression qu'il course. Pas du tout. Puis, même du 45 dans ta gueule. Mamie, elle est pas là, mamie. Mamie, elle est morte, hein? Belle ambiance.
I need champagne. Come. Stop spinning. You're making me dizzy. Making it. Ouh, ça vit ici, hein, j'avais oublié ça. Ça vit. Hein. Rogue. There's my champagne. I want to fucking drink till I fucking drop. Bon, elle commence à me faire chier là. J'espère que c'est fini avec elle, non? Quête secondaire. Événement continue. Ah, mais. Ah ouais, mais du coup, c'est ça qui m'a parlé. Ok, ça sert à rien en fait. Trouver de l'eau, c'est tout. C'est... Ah. Enfin, j'aurais voulu ramener un milliard de fois, c'est pareil. Ouais, c'est ça, ok, Mike. Ok, ok, d'accord, je viens de comprendre, j'avais pas vu. Ok, du coup, elle voudra tout le temps du champagne, cette connasse. L'autre avoue. Ah, c'est pour ça qu'il en veut tout le temps, je viens de comprendre, ok, super. L'eau, du coup, ça sert à rien. Porter des conserves, le cocktail, mauvaise herbe. Ouais, elle en voudra tout le temps, ok, j'ai capté. Ok, c'est bon, autant pour moi. Du coup, il me reste 3 missions alors. Ok. Attends, le record. Faut que je le cut. Le record, c'est la suite après. Hein.